Bonjour tout le monde, vous êtes avec Yvonne. Yvonne qui est... Je me régale, amour, psychologie, épanouissement du corps, de l'âme. Je suis là pour vous. Votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez. Vous connaissez le mot de passe, qui est Yvonne et Bonne. Et je vous prends au téléphone. Et c'est parti, comme dirait un voyageur après 3 heures de retard à la gare en TGV. Allez, c'est parti. Qui est en ligne? Allô? Oui. Bonjour, c'est Irène de Rennes. Ah, la Bretagne. Ça fait un moment qu'il n'a pas plu en Bretagne. Oh oui, 45 secondes. Ah. Et forcément, on s'inquiète là-bas. Ah, ça y est, il pleut. Ah, j'ai eu peur. Bon, très bien, tout est rentré dans l'ordre. Alors, quel est votre problème? Je crois que mon mari me trompe. Très bien, expliquez-vous. Chaque jour, il rentre à l'heure, impeccable, comme si de rien n'était. Oui, et il est gentil? Très, très, très attentionné. Oui. Tu veux ceci, tu veux cela, tu n'as pas chaud, tu n'as pas froid. Bon, très bien. Donc, il est attentionné et très à l'heure. Oh oui, le salaud. Mais pourquoi le salaud? Il cache son jeu. Continuez, expliquez-vous. Il parle des vacances, qu'est-ce qui te ferait plaisir, la Grèce au printemps, les Baléares à l'automne. Très bien, quoi d'autre? Le fumier, il m'offre des week-ends de rêve. Du genre? Le château de Versailles, Mickey, la vallée en Dordogne, tout. Et vous aimez? J'adore. Et donc, si je résume, votre mari est attentionné, à l'heure, il vous fait des cadeaux et il vous fait l'amour? Comme jamais, il me fait l'amour sans arrêt. Attendez, et de tout ça, vous concluez qu'il vous trompe? Oui. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer, ma chère Irène, qu'il ne vous trompe pas. Eh merde! Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que s'il m'avait trompé, j'aurais pu le tromper. Ah! Et vous en avez envie de le tromper? Mais j'en crève l'envie de le tromper, putain. Ah. Mais s'il me trompait, j'aurais moins de scrupules, vous comprenez? J'en crève l'envie, j'aurais pas de scrupules. Quel salaud! Il me trompe même pas. Ah. Et ça sera le mot de la fin. Dans la vie, on ne fait pas que ce dont on a envie. Je savais que c'était un salaud. Au revoir tout le monde!